Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Ces explications sont toujours pertinentes et c'est toujours avec un grand plaisir que je le reçois, mesdames et messieurs, la sergente et agente d'information à la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Mme Nancy Fournier. Nancy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours gentil à vous. Puis, je peux vous dire une chose, c'est que les gens adorent. Je m'en fais parler beaucoup, beaucoup, puis c'est parce qu'on touche à des sujets qui sont avant-gardistes, qui sont d'aujourd'hui. Oui, d'actualité. Et d'actualité courante, puis ça, c'est très aimé. Ce mois-ci, on va regarder, là, surtout, là, on va aller avec les vols d'auto. Mm-hmm. On va aller avec l'abus chez les aînés. Ça, il faut faire attention, là. Et on vous avertit, là, en commençant, là, quand on parle d'aînés, là, on ne veut pas prendre des aînés comme des personnes qui sont pas trop, tu sais, j'aime pas le mot correct, là, mais qui, on ne s'en prend pas à votre intelligence et à tout ça, là. Non, c'est en général, parce que des abus chez les aînés, il y en a, je pense, et vous me corrigerez, Nancy, si je suis dans l'erreur, mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. Bien, effectivement, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, dans le sens que ça existe depuis toujours, puis ça va probablement malheureusement exister parce que c'est un petit peu tabou. Oui, exactement, c'est ça. Puis on l'expliquera pourquoi tantôt. Oui, parfait. Fait qu'on va commencer. On commence par vol d'auto? Oui. OK, parfait. Bon. C'est un fléau, ça on le sait. Oui. Quand on prend des reportages à un certain poste télé, quand on voit ça, là, moi, je pensais jamais qu'il y avait autant de vols d'auto. Puis, il y a eu une enquête de fait au port de Montréal, puis au port de Toronto également. Puis, quand on parle de 500, 600, 700, 800 conteneurs qui sont pleins de véhicules volés, puis ça se fait pas là, sur longue échelle. Là. Le véhicule est volé, immédiatement, il est quasiment rendu au port. Puis le lendemain, peut-être, qu'il est parti. Bonsoir, la visite, trouve-moi à cette heure. Ça, c'est sûr. C'est pas facile. Qu'est-ce que vous auriez à donner, Nancy, comme conseil? Parce qu'il faut dire aussi, et je ne veux pas m'aventurer sur un terrain glissant, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être de la négligence, aussi un peu de négligence. Bien, écoutez, c'est sûr, comme qu'on dit en ce moment, il y a une hausse. Hein? Ça n'a pas toujours été autant fléau, mais oui, là, il y a une hausse. C'est sûr qu'on voit, on a remarqué que c'est plus, mettons, dans la région de Montréal, les alentours. Ici, en région, on en a moins. Mm-hmm. Mais faut pas se leurrer, il y en a pareil ici. Puis, il faut justement essayer d'avoir des bons comportements pour ne pas être victime. Parce que c'est la responsabilité des propriétaires de véhicules de s'assurer de justement tout faire pour essayer de ne pas être victime de vol de son véhicule. Donc, c'est sûr que, oui, effectivement, il y a des véhicules qui sont volés pour l'exportation. Il y a des véhicules qui sont volés pour les pièces. Les pièces. Ensuite de ça, pour des fraudes à l'assurance aussi. Ah, OK. Oui. Ah, celle-là, je n'y ai pas pensé. OK. Oui, il y a des gens qui font ça pour ça. Puis, il y a également des gens qui vont voler un véhicule juste par plaisir, par opportunité. Parce que ils se promenaient, puis là, ah, le véhicule, il est sans surveillance. Les clés sont à l'intérieur. Oh, on le prend, puis on va s'amuser. Fait qu'il y en a également. C'est pour ça qu'il faut s'assurer là, de faire notre possible pour que, justement, notre véhicule ne soit pas... justement, une opportunité. Oui. Donc, c'est sûr que, bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement, bien, c'est de toujours verrouiller les portières, s'assurer que nos fenêtres, le toit ouvrant, ils sont fermés également. S'assurer aussi qu'il n'y ait pas de biens de valeur à la vue, tu sais, dans notre véhicule. Mm. Puis aussi, même si il est stationné dans notre cour. C'est important aussi parce qu'on a l'impression, parce qu'il est stationné dans notre... Il est à l'abri de tout le monde, mais non, ce n'est pas le cas. Puis moi, je l'ai vu souvent, les gens, même pour les vols dans véhicule, hein, les gens, là, souvent, c'est des jeunes ou des personnes peut-être
plus des petits voleurs qui vont faire toutes les portières. Puis hop, il y en a un déverrouillé, là, il va voler dans le véhicule, tu sais. Mais si on verrouille les portières, ben justement, ils vont passer à un autre véhicule, fait qu'on risque de, justement, ne pas se faire voler à l'intérieur du véhicule. Une chose, Nancy, les enregistrements du véhicule. Moi, je dirais qu'à 95 % des enregistrements, les gens les laissent dans leur véhicule. Est-ce que c'est une bonne chose? Bien, écoutez, on donne comme, justement, de mesures préventives de ne pas laisser ses clés, son certificat d'immatriculation et ses assurances dans le véhicule. Tu sais, est-ce que les voleurs peuvent s'en servir pour justement faire de la revente ou quoi que ce soit? Là, je suis pas spécialisée là-dedans, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on dit aux gens de ne pas laisser leurs documents dans le véhicule quand ils sont pas Parce que voilà. Des fois, c'est pas facile parce que la personne a son véhicule, les enregistrements, les assurances, tout ça sont dans le coffre à gants parce que l'épouse va prendre le véhicule. L'enfant va se servir du véhicule. Fait que là, ben, toujours peur, il est parti, puis il n'y a pas les enregistrements. Oui, je comprends. Fait que ça peut aussi, là, c'est une lame à deux tranchants. Oui, mais écoutez, c'est sûr que, tu sais, on dit que l'idéal, tu sais, moi, je suis la seule propriétaire, je les mets dans mon portefeuille, ben ils ne seront pas dans le véhicule. Voilà. Mais regarde, si on peut pas, si c'est plus pratique, ben écoutez, rendu là, c'est pas si grave. C'est juste que ça va peut-être faire que si notre véhicule est volé, ça va amener autre chose. Là. Parce que il y a une personne qui me faisait la réflexion, parce qu'on parlait de ça, de vol de véhicule, puis qui me disait, ouais, mais si le monsieur en question a un garage, qu'il mette son véhicule dans le garage, il va être plus en sécurité. Mais je me suis mis à faire le tour un peu, puis à regarder à gauche, à droite. Puis ceux qui ont des garages, là, je dirais, en tout cas, à 75 % ils ne servent pas à mettre un véhicule dedans. Le véhicule est à la porte du garage. Non, c'est sûr. Puis souvent, on a, tu sais, deux véhicules, trois véhicules. Oui, aussi, oui. Mais tu sais, en fait, c'est vraiment, bon, essayer le plus possible qu'il soit, tu sais, placé dans un endroit peut-être éclairé. Si, je ne sais pas, moi, vous avez un véhicule plus... Tu sais, comme là, on parlait, mettons, de certains véhicules qui sont plus la cible des voleurs. Ben, tu sais, des fois, vous mettez votre véhicule, mettons, le plus nœud placé dans votre stationnement, puis l'autre un petit peu derrière, tu sais, pour empêcher. Pour l'empêcher, ouais. Tu sais, des fois, ça peut être des petits trucs qu'on peut avoir comme ça, là. Mais, tu sais, c'est vraiment de... En gros, c'est de... De pas tenter. C'est ça. Puis de verrouiller nos portières, de pas laisser les clés à l'intérieur. Puis aussi, quand on est chez nous, nos clés, si possible, les mettre dans un boîtier métallique. Ah, okay. Parce que souvent, on les accroche sur le bord de la porte d'entrée. Mais à cette heure, les véhicules, ils ont un bouton poussoir pour partir le véhicule. Exactement. Donc, si la porte et le véhicule sont très près, peut-être que les voleurs vont réussir, si les portes sont verrouillées, sont déverrouillées, de rentrer et de partir le véhicule, même si les clés sont pas avec eux. Ah bien, je ne le savais pas, celle-là. Oui, okay. Fait que ça serait bon de mettre au moins les clés dans un petit compartiment métallique. Petit compartiment. Ouais. En tout cas, ne pas les laisser près de la porte. Oui, c'est vrai ça. C'est sûr qu'ils ne seront pas capables de faire ça s'il y a une bonne distance, mais il y en a des véhicules qui sont très proches de la porte d'entrée. Ça, c'est un truc là, qu'on peut avoir. En Abitibi, Témiscamingue, on en a parlé, je suis un petit peu très vite tantôt. Est-ce qu'il y a beaucoup de vols d'auto? Parce qu'on pense tout le temps que ces affaires-là, ça n'arrive pas chez nous, ça arrive bien qu'à un grand centre, hein? Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, etc. Mais chez nous, aussi? Bien, écoutez, on a fait sortir, moi, je n'ai pas les statistiques exactes, mais tu sais, on ne le veut pas avec les hausses et tout ça, on a vérifié. Puis c'est sûr qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, il n'y en a pas énormément. On ne voit pas une hausse qui est remarquée, mais il y en a. On en a quand même là, des dossiers de vol de véhicules là, en Abitibi. Alors, pour ce qui a trait au vol de véhicules, je ne sais pas si vous avez autre chose à spécifier. Bien, la seule chose, c'est que je ne sais pas si les gens sont au courant, mais lorsqu'on laisse un véhicule sans surveillance, en marche, il peut y avoir, en marche ou juste les clés, les portières déverrouillées, il peut y avoir des constats d'infraction qui sont émis. Oui, c'est à peu près une centaine de dollars là, qu'on peut émettre aux propriétaires du véhicule parce que justement, on essaye que les gens
prennent la bonne habitude de verrouiller leur, leur véhicule. Donc, c'est des possibilités. Parce qu'il y en a qui vont laisser leur clé dans leur véhicule, vont laisser des objets à la vue, chose qu'on ne recommande pas jamais. Mais ça se fait souvent par instinct, qu'on dirait. Je suis habitué, je fais toujours ça. Ben oui, puis on est en Abitibi, on a l'impression que, justement, les choses passent plus d'un grand sens. Exactement. Mais ça existe ici aussi. Là. Mais ça se passe chez nous. Oui. Alors, en ce qui a trait au vol d'auto, bien, on vous demande d'être prudent, puis d'avoir des comportements vigilants envers votre véhicule. Vérifier aussi, puis barrer vos portes. Oui. C'est ce qui est très important. Puis, enlever les clés dedans le contact, s'il vous plaît. Oui, c'est possible. C'est possible parce que ça va un petit peu plus tenter. Oui. Nancy, on va toucher à un point là, qui s'en vient de plus en plus. Mais c'est grave. Puis c'est pour ça qu'on venait en parler. C'est l'abus chez les aînés. On en entend. Il me semble qu'on en entend plus parler, ou c'est moins caché peut-être. Ça a probablement toujours existé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'abus des aînés? Essayer de contrer l'abus des aînés. Bon, c'est sûr que, comme qu'on dit, hein, tu sais, probablement que ça a toujours existé. Aujourd'hui, j'ai pas justement de statistiques pour dire s'il y en a plus, mais peut-être que les gens dénoncent plus, ce qui est une bonne chose. Oui, oui. Mais c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire, de mettre en pratique. On désire justement informer plus les personnes aînées, leur donner plus de soutien, essayer de les outiller, de les sensibiliser à la maltraitance. Que c'est pas juste dans leur tête que ça se passe, que c'est vraiment, justement, que ça existe. Puis, ce qui est un petit peu difficile pour les personnes qui sont victimes de dénoncer, c'est que souvent, c'est souvent les personnes de confiance, hein. Donc, c'est souvent leur famille, leurs enfants, leurs amis, leurs conjoints. Et les petits-enfants, oui. Surtout. Ça, c'est... Parce qu'on en entend beaucoup parler. Ah, ben c'est mon petit-fils qui est pris à telle place, puis il faut que j'y aille. Puis... Bien, c'est ça. T'sais, c'est sûr que, tu sais, on ne dit pas que toutes les personnes ont des mauvaises intentions. Non. Tu sais, c'est vraiment... c'est juste parce que si la personne aînée assez que, hop, là, je suis en train de vivre de la maltraitance, peu importe, tu sais, tantôt, on va voir, il y en a de la maltraitance que c'est des actes criminels, d'autres que c'est pas criminel. Par contre, c'est quand même... Tu sais, les personnes proches de nous, en qui on a confiance, souvent, c'est eux qui vont prodiguer les soins aux personnes aînées. Donc, tu sais, il y a un lien de confiance, puis justement, les victimes n'osent pas en parler, n'osent pas dénoncer parce qu'ils ont vraiment peur de faire du tort à ceux qui aiment. Ils ont peur ensuite de tout briser le lien qu'ils ont avec leur famille. Puis sinon, ils ont peur d'être placés en hébergement. Ils ont également aussi peur que les gens disent « Ah, elle n'a pas toute sa tête, elle invente des choses. » Tu sais, ils ont peur du jugement. Peur des réprimandes aussi. Oui, bien, c'est sûr. C'est sûr que, mais tu sais... Ah, mais si je le dénonce, il va revenir, puis il va... En tout cas, tu sais, c'est un petit peu ça. C'est ça, ça dépend tout le temps, c'est quel genre de maltraitance. Mais c'est pour ça que, tu sais, ce qu'il faut vraiment essayer... Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut expliquer aux personnes qui sont victimes que dénoncer, ça peut juste être une bonne chose. Une bonne chose parce que, comme je dis, je vais donner un exemple. Mettons que... votre enfant est supposé de venir vous donner vos injections d'insuline à tous les jours aux mêmes heures. T'sais, le médecin a dit, oui. C'est important. Mm-hmm. Bon, puis là, la personne, elle y va à tous les jours, mais pas aux mêmes heures parce qu'elle n'a pas le temps. Mais là, elle ne fait pas ça exprès. La personne n'est pas mal intentionnée. Elle ne veut pas blesser ou faire du mal à sa mère, mais elle le fait parce que pour elle, c'est comme, mais là, j'ai pas le temps. Là, pis... Mais si la personne... T'sais, la personne aînée, si elle ne dit pas parce qu'elle ne veut pas déranger, elle ne veut pas, ben là, elle est déjà fine de venir me faire. Mmh. Elle se dérange déjà. Puis c'est etc. ça. Mais là, ce que ça fait, c'est que sa santé à elle, il y a des conséquences à ça. C'est pas pour rien, il faut que ça soit aux mêmes heures. Puis la personne qui prodigue ses soins, elle ne veut pas
tu sais, elle veut pas que sa mère ait des problèmes de santé, elle pense que c'est pas si grave. Okay. Mais si la personne, elle dit à l'infirmière, écoutez, ma fille, elle vient, mais elle vient pas aux mêmes heures, puis j'ai l'impression que c'est pour ça que je suis plus fatiguée, que, tu sais, il y a des conséquences à ça, mm-hmm. pouvez-vous y expliquer les conséquences? Puis, ben, des fois, juste une petite rencontre entre oui. l'infirmière puis la, mm-hmm. la personne, ça peut tout arranger, parce que peut-être la personne, elle va dire, écoutez, moi, je suis désolée, mais je peux pas venir à toutes les mêmes heures, tu sais, je peux pas. Bon, ben, parfait. On a une problématique, on va trouver une solution, on va trouver quelqu'un, une infirmière qui va venir lui donner. Fait que là, ben, la personne, finalement, elle n'est pas mal intentionnée. Mais c'était non, pas. Exactement. T'sais, fait que c'est pour ça que si la personne aînée, elle n'aurait pas parlé, ben, elle aurait vécu ça, puis sa santé, elle aurait peut-être justement devenu. Elle aurait décliné tout c'est le temps, ça, tout le temps. C'est ça. Fait que c'est important d'en parler. Puis, tu sais, pas parce que, mettons, que vous êtes victime d'un acte criminel. T'sais, vous vivez, mettons, un vol. Bon. Puis c'est votre petit-fils, par exemple. Bon. Mais là, vous ne voulez pas porter plainte, vous ne voulez pas qu'il y ait en cours avec ça, mais vous êtes conscient qu'il vous vole, puis vous n'aimez pas ça, puis vous voulez faire quelque mm-hmm. chose. Bien, vous pouvez appeler la police, ou vous pouvez le dénoncer à, je sais pas, les services sociaux, ou le CLSC, ou peu importe, une infirmière, quelqu'un oui. à qui vous avez confiance. Mais dire, moi, je ne veux pas porter plainte. Je veux juste que ça l'arrête. Ça arrête, c'est ça. Je veux pas y faire de tort, je veux pas qu'il soit arrêté, mais je voudrais qu'il arrête. Ben c'est ça. Puis, tu sais, les policiers, là, sont pas là juste pour amener en cours, tu sais, porter des accusations criminelles. Ils peuvent vous aider, vous référer, tu sais, puis on peut appeler la police sans porter plainte, tu sais, expliquer notre situation. Mais ça doit être terrible pour une personne âgée d'être sans dénoncer, là, comme vous avez si bien dit, mais appeler une personne ressource ou appeler à la Sûreté du Québec, demander à quelqu'un de venir nous rencontrer, puis de demander à ce que son petit-fils arrête de la voler ou de le voler. Ça ne doit pas être facile à faire parce qu'on le sait très bien, moi, des petits-enfants, j'en ai, puis... Il me semble que je ne serais pas capable, je veux dire, parce que là, j'y ferais du tort, j'y ferais mal, mais dans le fond, j'y ferais du bien aussi. Il y a ça. Fait que là, c'est pris, le dilemme est là, entre les deux, ça ne doit pas être facile. Oui, puis, tu sais, y faire du tort, c'est quoi, tu sais, dans le sens que là, vous voulez juste qu'il arrête de vous voler, voilà. Ce qui est légitime. Je veux dire, rendu là, si vous voulez y donner votre argent, vous pouvez le faire oui. parce que vous le désirez. Si, là, ça n'a pas de sens, il le prend sans vous demander permission, tu sais, peu importe la situation, mais vous ne pouvez pas lui faire du tort en le dénonçant, dans le sens qu'on va trouver une solution, il y a quelque chose, tu sais, qui peut se faire, qui peut être rencontré, qui, tu sais, parce que là, pour le moment, il sait qu'il fait quelque chose de pas correct. Oui, sûrement. Mais, tu sais, justement, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusqu'en cours pour ça. Mais on peut quand même en parler pour essayer que la situation change, tu sais. Parce que, comme vous dites si bien, le dénoncer, mais ça ne veut pas dire, après ça, un processus d'arrestation, de passer en cours, puis tout ça, on n'est pas là pour tout de suite. Ben non, il y a d'autres solutions. Puis tout dépend de l'âge, je vous dis, et du petit enfant. Oui, là, oui, de, c'est sûr. C'est sûr que... S'il y a 20 ans, puis ou l'autre en a 8 ou 9 ou 10, ouais, c'est pas la même chose. Là, non, absolument ça, c'est pas. Sûr. Fait que, mais qu'est-ce que vous conseillez aux personnes âgées de dénoncer? Oui, ben oui, il faut que la situation arrête. T'sais. À moins que ça ne vous dérange pas. T'sais, si, mettons, vous, de toute façon, j'y aurais donné pareil, bien, rendu là, c'est à vous de décider. Mais là, si on parle, mettons, de maltraitance, tu sais, il vient me voir, il me serre le bras, il me brasse, il me pousse. Exactement. Mais là, c'est parce que votre qualité de vie, là, c'est plus plaisant, là. Puis là, vous... Parce que c'est ça qui était là, mon autre question. Quoi faire si ces derniers sont abusés physiquement? Ça, là, c'est plus sérieux, là, à ce moment-là. Bien, c'est sûr que, comme je dis, tu sais, si vous voulez appeler les policiers pour porter plainte, mm-hmm. ben oui, les policiers vont y aller, on va vous rencontrer, on va vous suivre là, durant le processus, il va y avoir quelqu'un qui va vous accompagner. Les gens ne sont pas restés à eux-mêmes, ils ne sont pas seuls là-dedans dans le processus et tout. Mais tu sais, si c'est juste parce que
justement, vous voulez avoir des ressources, vous voulez avoir des gens qui peuvent vous aider, vous accompagner sans nécessairement porter plainte, bien, tu sais, oui, vous pouvez appeler la Sûreté du Québec, mais sinon, il y a quand même une ligne d'information qui a été, une ligne d'aide qui est justement ligne aide abus haineux. OK. Ça a été créé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est une ligne qui est accessible par des professionnels qui vous écoutent, qui peuvent intervenir, qui vous réfèrent. Puis ça, c'est ouvert là, partout là, au Québec. Là. C'est okay. disponible partout au Québec. Donc, c'est sans frais. C'est 7 jours sur 7. Puis les gens, s'ils veulent, ça peut être anonyme. C'est bilingue également. Okay. Donc, tu sais, si on veut juste avoir de l'information, ils vont peut-être vous dire, ben vous êtes dans quelle région, ben écoutez, je sais qu'il y a telle place que vous pouvez appeler qui vont vous accompagner là-dedans. Tu sais, des fois, c'est de ne pas rester isolé avec notre problème. C'est donc dire que le premier pas à faire, c'est d'aller chercher du secours. Oui, mais c'est ça, c'est comme je dis, c'est juste d'en parler. Parce que, tu sais, c'est comme l'intimidation auprès des ados. C'est quoi qu'on leur dit aux adolescents? Parlez-en, restez pas avec votre problème, isolez-vous pas. Puis c'est pareil pour les aînés, c'est la même chose. Il faut en parler parce qu'il y en a des solutions. T'sais. Ah, sûrement, sûrement. Puis, mais seulement que c'est comme on disait tout le temps, l'abus envers les personnes aînées. Est-ce qu'on peut dire que assez souvent, ça peut venir de la famille? Oui, bien, c'est souvent ça. C'est souvent le lien de confiance, tu sais. Parce qu'une maltraitance, comme je dis, c'est vraiment... Des fois, c'est un geste. Des fois, c'est à répétition. Des fois, ça peut être juste des actions, l'absence d'action, tu sais, pour aider ou pour apporter le soutien. Ou, tu sais, puis c'est ça qui fait que les gens vivent de la maltraitance, tu sais. Puis, comme je dis, tu sais, il y a la maltraitance physique. Mais psychologique aussi, tu sais, la cruauté ça. Mentale, tu sais, puis ça amène plein de conséquences, hein, plein de conséquences pour les personnes âgées. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont minimiser, bon, tu sais, elle n'a même pas besoin de son argent, tu sais, elle fait rien pareil, ou tu sais, des choses comme ça. Chez eux, elle sort pas, puis on sait qu'elle en a quand même pas mal, fait que c'est pas grave, là, ben, c'est ça. Si j'y en prends un peu, c'est pas grave, là. Tu sais, fait que, mais tu sais, ça reste que les personnes, justement, ils vivent des conséquences, hein, tu sais, la honte, l'humiliation, des fois, c'est la détresse, justement, psychologique, l'isolement, sinon, ben tu sais, ils ont des blessures, des fois, tu sais, tasse-toi, puis là, ils la font tomber, puis là, ben elle, tu sais, elle a peur, tu sais, elle est blessée, mais là, elle n'ose pas en parler à l'infirmière ou en parler parce qu'elle dit, ben là, ils vont me demander comment je me suis fait ça, puis là, je vais être obligée de dire que c'est mon fils ou mon petit-fils qui a fait ça, puis etc., c'est ça. Puis je veux pas embarquer là-dedans, je veux pas nuire à ma famille, qu'est-ce que les autres vont penser, pourquoi grand-maman que t'as fait ça, voyons donc, tu sais, c'est pas si grave que ça, mais tu sais. Non, mais c'est ça, fait que, tu sais, tout, que ça soit criminel ou non, c'est grave. Oui. T'sais, puis il faut en parler. Puis justement, comme je dis, c'est juste d'essayer d'avoir quelqu'un pour nous aider à sortir de ça, puis à régler la situation, trouver, comme je dis, des solutions. T'sais, je comprends là, les personnes qui sont proches de leur famille puis qui ne veulent pas leur nuire. Ça ne doit pas être facile. Mais sauf qu'en même temps, je veux dire, ces personnes-là, là, les personnes aînées ont le droit d'avoir une belle vie. Et voilà. C'est d'être exactement. Bien. C'est ça. Puis, parce qu'ils ont travaillé toute leur vie. Puis. Un peu de repos et de calme dans la quiétude. Ben ça oui. Serait bien. On va terminer, il reste très peu de temps, Nancy. Vol chez les aînés, on parle de vol d'identité, vol de NIP assez souvent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben en fait, c'est assez simple. C'est que le problème, c'est qu'il y a plusieurs fraudes qui existent. Mm-hmm. Puis justement, mettons, quand on parle de vol d'identité, de vol de NIP, c'est qu'il y a des fois où que les gens, ce qu'ils font, c'est que les fraudeurs, ils vont appeler, ils vont dire, écoutez, il y a un problème avec votre carte de crédit ou votre carte de débit. Ça serait important de nous la mettre dans une enveloppe avec votre numéro d'identité personnel. Il y a un policier ou un avocat va venir la chercher. Mais tu sais, ça, tout ça, il y en a qui se sont fait prendre, puis c'est pas parce que les gens, ils sont pas intelligents, c'est qu'ils font confiance. Mais tu sais, les institutions financières, ils font pas ça. Tu sais, c'est pas leur façon de procéder. Puis si vous êtes pas sûr,
C'est vraiment d'appeler. Tu sais, si, mettons, c'est, je sais pas, votre institution financière, il dit, OK, mettez ça, bien, raccrochez, puis appelez, vous, avec un numéro officiel, votre banque, pour dire, c'est-tu vrai, ça, que là, il y a un gars qui s'en vient pour... Non, ils vont vous le dire que c'est de la fraude, que c'est pas vrai, tu sais, parce que ça peut mettre des doutes, des fois, les choses, vous dites, bien, ça semble être correct, tu sais, ça semble être vrai. Oui, parce qu'ils sont assez expérimentés, ces fraudeurs-là, qu'ils vont prendre un papier... De la officiel, caisse, officiel, mais oui. Puis officiel, mais là, c'est vraiment le sigle de la caisse, puis c'est vraiment l'institution, puis mais il ne faut pas embarquer là-dedans. Non, parce qu'on a vu même des lettres officielles de la Sûreté du Québec, tu sais, qui se promenaient, des courriels, puis les polices, le gouvernement ne fonctionne pas par courriel ou par texto pour rentrer en contact avec les gens. C'est pas comme ça fonctionne. Voilà, si vous avez justement cliqué sur le lien pour vous rendre, mon Dieu, ça, on jamais, fait pas jamais, ça. Jamais, jamais. Puis comme je vous dis, si vous avez un doute, ben faites juste appeler vous-même à l'institution ou à Sûreté du Québec. Voici ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'aimerais me faire rassurer. Puis vous allez avoir la réponse immédiatement. Et d'envoyer ça aussi à Msolage? Je pense que l'on peut faire aussi... Oui, bien, c'est sûr qu'il y a un numéro là, que vous pouvez appeler pour dénoncer là, au niveau de la fraude. Oui. Mais si vous êtes victime, mettons que vous avez perdu de l'argent ou quoi que ce soit, bien, appelez la Sûreté du Québec là, pour faire une plainte. Là. Parce que ça, il y en a de toutes les... Encore, il y a à peine quelques jours, moi, j'avais gagné 2,5 millions. Oui, bien, ah, c'est ça. Ah oui, puis là, bien, il faudrait que j'aille le chercher, là, ça n'a pas... C'était en Europe, je pense, quelque chose de même. Tu sais, fait que là, il fallait que je clique sur un lien. C'est important de le dire, hein. Quand on suppose que vous avez gagné 2,5 millions, mais puis là, bien, allez dans le bas de la page, cliquez sur le lien. Ouais. Oh que là, il ne faut pas faire ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a des fois où que vous avez une petite voix qui vous dit... Ah, ça, c'est bizarre. Mettons, ah, c'est trop beau pour être vrai ou des choses comme ça, ben il faut que les petits drapeaux rouges, là, ils nous allument puis qu'on fasse attention. Parce qu'il faut dire, et vous l'avez souligné également, les institutions financières ne procèdent jamais. Mettez votre carte dans une enveloppe avec votre NIP, puis on va aller chercher ça. Mettez ça dans la boîte à mal, là, puis on va aller chercher ça tantôt, puis soyez pas inquiète. Ça, il y en a malheureusement qui se sont fait prendre. Ben oui. Puis, tu sais, l'afficheur aussi, notre téléphone, hein. Si quelqu'un vous appelle, c'est marqué Sûreté du Québec, ça ne veut pas dire que c'est un policier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont changés le numéro sur votre afficheur. Fait que ça non plus, il ne faut pas vous fier là-dessus. En terminant, est-ce que ce serait mieux que quand on reçoit des appels de même, dire, ben là, un instant, je suis occupé, laissez-moi votre numéro, je vous rappelle. Bien, vous pouvez faire ça, mais rappelez pas au numéro qui vous a donné. Non, mais exactement. C'est que moi, je l'ai essayé parce que tout le monde en a de ça. Là, ben oui, ça, ben ça oui. Puis j'en ai eu, puis je suis certain que je vais en avoir encore. Mais je suis occupé, laissez-moi votre numéro, puis je vous rappelle dans à peu près 10 minutes, OK? J'ai entendu « cloc ». Oui, bien, c'est ça. C'était fini, de être là. Ils m'ont pas laissé de numéro. L'important, c'est d'avoir le numéro officiel que vous allez avoir été trouvé vous-même sur le site officiel pour rappeler. Là. Voilà. Nancy, toujours un grand plaisir. Vos explications sont toujours à point. Merci infiniment. J'espère qu'avec les quelques conseils qu'on a pu donner sur les vols d'auto, puis les abus, puis le vol chez les aînés, qu'on a aidé des personnes à mieux respirer, comme on dit. Oui, on le souhaite. Merci infiniment, Nancy, puis on devrait se revoir là, avant la saison estivale. On va trouver d'autres sujets. Il y en a tellement, c'est toujours passionnant de vous écouter. Bien, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.